Mon clan s'y entend en matière de fête, non? Tu t'es bien amusé? Ouais. Toi, tu as festoyé ou porté le deuil. Tu semblais partagé. La nuit de l'attaque, j'ai entendu des bruits de massacre venant de la Maison Longue. En quelques instants, la ville a grouillé de Saxons. Alors j'ai ordonné la retraite. Nous avons tous notre jour, mais pas comme ça. Pas ce jour-là. On m'a déjà parlé de cela. De cette façon qu'ont eu les Saxons de sortir de l'ombre. De tout le temps que j'ai passé à Grand Bridge, ce tunnel a été mon projet le mieux gardé. Le plus grand secret de la ville. Maintenant, une centaine de Saxons au moins le connaissent. Les seules personnes à connaître ce tunnel étaient mes trois guerriers les plus proches, et moi. Tu penses que tu as été trahi? J'en suis persuadée. Par qui? Là, je suis moins catégorique. J'ignore si c'est par Leaf, Galine ou Birna. Mais ce sont les trois qui m'ont aidé à creuser ceci en secret. J'espérais que tu pourrais m'aider à le savoir. Tu viens d'arriver parmi nous. Tes yeux et tes oreilles me seraient utiles. Je t'ai promis de t'aider à reprendre cette ville. Il semble que cette tâche ne soit pas achevée. Bien. J'ai chargé Galine, Leaf et Birna de détruire ce qui reste du pouvoir de Wigmund dans le comté. Va les voir. Combat auprès d'eux et essaie d'en apprendre le plus possible. Découvre lequel des trois m'a trahi. Je ferai ce que je peux, mais tu connais tes guerriers bien mieux que moi. Entre nous, je suis désemparée. Je les aime comme si nous étions nés de la même mère. J'ai besoin d'un jugement clair. J'ai besoin de toi, Eivor. Compte sur moi. Merci. Explore autant que tu le désires. Sois libre de fouiller la ville, le tunnel, et prends ceci pour te remercier de nous avoir aidés à reprendre Grand Bridge. C'est l'une des rares choses qu'il me reste de ma famille de sang.